Si j'avais bien compris, il était désormais de mon devoir de nourrir ce qui se cachait derrière cette porte. Le dîner est servi. Voilà qui devrait faire une excellente cachette. Comme ça, il n'embêtera plus personne. Je n'allais pas me laisser arrêter par une porte. J'avais relevé des défis bien plus grands avant cela. Il me fallait juste une clé. Bienvenue à l'intendance. Puis-je... Oh, tiens, la dernière trouvaille des Yarble Snowf. Bien fait pour toi, petit. Tu aurais pu me sauver, mais te voilà pris au piège du royaume des fêlés du caillou, comme tout le monde. Allez, du balai, gamin. Tu peux prendre ta cape et ton chapeau. Hé, c'est une couronne que tu portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi Edward a confié son trône à un freluquet? Lui ne m'aurait jamais abandonné. J'étais à terre et tu en as profité pour me frapper en pleine dignité. J'en suis sans voix. Mais vous m'aviez volé mon argent. Et ce n'est pas tout. Je sais bien à quoi tu penses. Oui, j'ai l'air d'un escroc derrière ces barreaux, mais la seule chose qui soit criminelle ici, ce sont les prix. Alors aujourd'hui, j'ai une offre spéciale pour les loctes comme toi. Les objets indiqués sont à moitié prix, puis x4. Hola. Je peux voir votre marchandise? Oh, recule, c'est un mélange fragile, un équilibre instable. Ce bébé est un remède universel, un requinquant quand on est fatigué, une potion qui répare tout, des jointures au boyau. C'est combien? Une jolie pièce d'or. Alors, intéressé? J'achète. Alors, marché conclu. Je m'étais procuré le seul remède de cette prison. Mais à qui allais-je le donner? Au revoir. Sayonara.
Parfois, il n'y a pas de bon choix possible, mais ça ne veut pas dire qu'il y en ait de mauvais. Oh, ma chérie, le roi t'a apporté un peu de nectar des dieux. Merci, Graham. J'ignore ce qu'il y avait dans ce flacon, mais je me sens déjà mieux. Mais de rien. Comment te sens-tu ? Oh, beaucoup mieux. Et le bébé se porte mieux aussi. C'est très aimable de ta part, Graham. Notre famille te remercie. Oh, mais j'ai toujours un peu froid. Il y a justement une sorte de four, là. Graham, pourrais-tu nous apporter un peu de bois ? Si nous pouvions allumer un feu, nous pourrions cuisiner un peu. Je pourrais même préparer une fournée de tartisucre si tu me trouvais de la farine. Oh, bonne idée, Bramble. Voilà qui est pensé avec son cœur. Peut-être que les gardes se laisseront tenter et nous feront sortir. Merci, roi Graham. Nous allons pouvoir nous réchauffer. À votre service. Et pour ce qui est des tartisucres, as-tu pu trouver de la farine ? Je continue de chercher. Bonjour. Comment va-t-elle ? Grâce à toi, elle se porte mieux. Au revoir. À la prochaine. Comment ça va ? Moins bien qu'hier, comme tu peux le voir. Je vais m'en occuper tout de suite. Au revoir. Bonjour. Comment ça va ? Je brûle encore mes calories d'hier. Au revoir. Au revoir. J'allais me coucher le cœur lourd. Tout le monde comptait sur moi, et je savais que j'allais devoir prendre des décisions difficiles. Je ne pouvais pas contenir ma peur. La survie des prisonniers dépendait entièrement de moi. La dernière fois que j'avais affronté un tel défi, ça s'était mal fini.
Oui. Comment ça va? C'est une blague? Pour un roi, tu n'es pas très sensible aux besoins de tes sujets. Au revoir. Au revoir. Je me sentais mieux, mais pas encore en pleine forme. C'est vrai, il y a des cœurs sensibles qui espèrent que les contes de fées se réalisent. Cette petite gobeline semblait rêver de trouver le prince charmant.
tant qu'aventurier, j'excellais à remplir des quêtes. En tant que roi, je peinais à prendre des décisions. Et si j'avais pris la mauvaise décision et précipité mon royaume vers sa chute? Et si ce dragon allait prendre un autre de mes amis? J'aurais pu sauver Monsieur Choukrem. Qu'est-ce qui m'avait pris? Les Hobblepot étaient très faibles. J'avais tout intérêt à passer les voir. Oui? Comment ça va? Ça se voit, non? Au revoir. Quoi? À plus tard. Ah. Délicieux. C'est un régal. Oh, voilà pour toi, chérie. Oh, bon sang. Je me sens déjà mieux. Merci, Graham. Eureka! Des yeux de mouche! Hein? Je croyais que tu te sentais mieux. Un œil de mouche! Et tu ne comprends pas? C'est l'ingrédient qui manque. Une potion? Êtes-vous... C'est pour se faire téléporter au hasard? Pour invoquer un orage portatif? Pour se transformer en chat? Excusez-moi, j'y travaille. Un chat. Donc, est-ce une potion qui transforme en félin griffu? Oh, rien de tout cela. C'est juste du désherbant pour tuer ses racines et nous permettre de fuir. Apporte-nous un œil de mouche, petit. Et encore à manger, si possible. Ouais, moi, j'aurais pris l'autre chemin. Dis donc, c'est ton histoire ou la mienne? Très bien, reculez. Disparaissez, racine. Ça fait un lop. J'ai dit œil de mouche. Oh, je voulais dire œil volant. Oh, je confonds toujours les deux. Oh, Muriel. Oh, vous m'agacez. Comment une horde de créatures peut-elle être si bête? Qui vous a élevé? Votre espèce est pourtant capable de réfléchir, je le sais. Ça y est, ces sadiques m'ont fait sortir de mes gonds. Nous allons les éliminer. Oh, Muriel, de la violence? Réfléchissons-y. Non, j'ai pris ma décision. Nous allons fabriquer une bombe en os. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Bien, Muriel. Il va nous falloir de la poudre explosive. Voici la recette. C'est ça. Tu as dit quelque chose, Gart? Oh, non, rien. Il faudra vraiment qu'on réaménage la boutique quand on rentrera. On ne peut même pas passer derrière le groupe. Bonjour. Comment ça va? J'ai faim. Au revoir. Reviens vite.
ça n'est pas encore assez haut. Je ferai mieux d'attendre demain. Sur moi. Et je ne savais toujours pas quoi faire. J'allais me coucher sans savoir si j'avais pris les bonnes décisions et si j'allais les prendre demain. J'allais devoir faire montre de beaucoup de compassion à Brambell si elle arrivait à s'en sortir. Je savais que tu y arriverais. J'aimerais pouvoir m'asseoir. Laisse-moi dormir. Comment ça va? Oh, ça va à merveille. Ça se voit pas? Au revoir. Salut. La journée allait être difficile. Avec autant de prisonniers affamés et à bout de force, j'allais devoir prendre des décisions pénibles. Regarde.